ces partenariats s'inscrivent bien au-delà de le cadre typique d'un partenariat qu'on peut avoir comme club, mais va bien loin au-delà de ça. Au-delà de cette identité, ça ouvre aujourd'hui pour l'Olympique de Marseille, c'est aussi une fierté de mettre à disposition la plateforme que nous représentons et une plateforme dans notre stade, un stade qui accueille plus d'un 1,5 million de personnes chaque saison seulement pour les matchs de l'Olympique de Marseille. Et pouvoir promouvoir la Côte d'Ivoire dans cette enceinte. C'est le club préféré des Français quand on voit sur les réseaux sociaux et l'histoire du club. Et il y a un attachement particulier avec la Côte d'Ivoire parce qu'il y a eu 9 joueurs de haut niveau qui ont participé à l'histoire de l'Olympique de Marseille. Donc naturellement, ces 9 représentants qui ont vécu l'histoire du club sont des ambassadeurs. Mais ce qui est important, c'est de mettre en valeur tout l'aspect touristique de la Côte d'Ivoire. L'expertise d'un club comme l'Olympique de Marseille qui reçoit presque tous les week-ends 67 000 personnes a une vraie valeur ajoutée dans son organisation. Donc on verra le COCAN, ce que les spécialistes autour de nous pourront apporter. Et surtout le lien entre Marseille et la Côte d'Ivoire, c'est une vraie visibilité sur ce qui est sublime en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des endroits exceptionnels et mettre en valeur le cadre touristique du pays. Conformément à notre protocole d'accord, il est convenu que nous nous voyons en terre ivoirienne pour que ce partenariat qui repose sur des fondamentaux beaucoup plus solides, ils viennent s'inspirer de ce pays qui sont chaque jour de match en train de promouvoir, à quoi ressemble ce pays, comment ils peuvent mieux articuler les actions à entreprendre, et c'est ce qui explique cette présence ici. Il était important de venir et apporter leur expertise, leur soutien à l'État de Côte d'Ivoire, qui est leur partenaire désormais, afin d'impacter positivement cette belle organisation.